Cet après-midi, nous entamons notre exploration de Louxor en grimpant dans une calèche, un moyen de transport pittoresque et bien ancré dans la tradition locale. Le trottinement régulier des sabots nous accompagne à travers les rues de la ville, où le bruit de la circulation moderne contraste avec le rythme tranquille de notre trajet. Nous admirons les étals de marché, où des étalages de fruits, d'épices et de tissus éclatants créent une symphonie de couleurs. Partout autour de nous, les habitants s'activent, discutent, échangent et vaquent à leurs occupations. Notre promenade nous conduit ensuite au musée de la momification, une étape incontournable pour mieux comprendre les pratiques funéraires de l'Égypte ancienne. Le musée est à la fois fascinant et énigmatique avec sa collection de momies parfaitement préservées et d'objets associés à l'art de la momification. On découvre les procédés précis que les anciens Égyptiens suivaient pour préserver les corps, pensant ainsi assurer leur voyage vers l'au-delà. Les sarcophages ornés, les canopes renfermant les organes et les instruments sophistiqués utilisés pour retirer le cerveau et les viscères racontent l'histoire d'une science millénaire dont les secrets sont en partie dévoilés ici. Alors que le soleil décline et que l'obscurité commence à envelopper la ville, nous nous dirigeons vers l'impressionnant temple de Louxor pour une visite nocturne. Illuminé dans la nuit, le temple se dresse majestueusement, sa pierre dorée par les projecteurs qui dessinent des ombres profondes sur les colonnes et les statues colossales. Dès l'entrée, les deux statues massives de Ramsès II, éclairées de manière spectaculaire, nous accueillent et nous plongent dans une atmosphère de solennité. Dans la grande cour, passant sous les pylônes imposants et admirant les immenses colonnes dont les chapiteaux en forme de papyrus et de lotus révèlent des détails fascinants sous la lumière artificielle. À la tombée de la nuit, la visite devient presque mystique. Chaque relief, chaque hiéroglyphe semble prendre vie, comme si les murs eux-mêmes murmuraient les secrets du passé. L'allée des Sphinx nous conduit vers la sortie, mais avant de quitter ce lieu magique, nous prenons un moment pour admirer une dernière fois la beauté intemporelle du site. La nuit enveloppe les monuments, mais leur lumière semble échapper aux limites du temps, nous transportons quelques millénaires en arrière, du côté des anciens Égyptiens. Pour terminer cette journée bien remplie, nous attablons en terrasse au restaurant Ralcha Bilane, réputé pour ses plats traditionnels et son panorama exceptionnel. Installé en effet face au temple de Louxor illuminé, nous dégustons des spécialités locales comme le molokeya, un ragoût de feuilles de corette et des tagines savoureux, tout en profitant du spectacle nocturne du temple.